contente de vous revoir. Aiden, Jonah, Milune, Théo, est-ce qu'il est là? Eva, Noé, Léa et Lilia, et puis tous les autres dont je ne connais pas encore les noms. Ah, je suis tellement contente d'être de retour avec des chansons et des instruments de musique qu'on va apprendre à connaître. Et puis, vous vous rappelez mon petit bonhomme? Mon petit bonhomme Giger? Oui? Est-ce que vous vous rappelez son nom? Tom. Et Tom qui? Tom Little. Oui! Ah, j'adore mon petit bonhomme. Il est tellement extraordinaire. Il gigue très bien. Et en plus, moi je dis que c'est presque un instrument de musique. Oui, parce que ses pieds, c'est comme des tambours. Il garde le rythme de la musique. Et petit Tom, est-ce que tu aimerais ça qu'on te chante la chanson qu'on a chantée la semaine dernière? Oh, il dit que oui! Est-ce que vous vous en rappelez? La chanson du petit bonhomme? Le petit bonhomme au nez pointu? Oui, tiens, assieds-toi ici. Je vais prendre mon instrument. Ici, qui est, vous vous rappelez cet instrument, l'harmonica, musique à bouche. Puis mon grand-père, comment est-ce qu'il appelait ça, mon grand-père? Un ruine babine. Oui, parce que quand on en joue longtemps, ça ruine les babines. Puis on va repasser des paroles au cas où vous vous en rappelleriez pas. Avez-vous vu? Non, j'ai pas vu. Le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Avez-vous vu? Non, j'ai pas vu. Le petit bonhomme au nez pointu, bien entendu. Même s'il n'y a pas tout à fait le nez pointu, on l'a vu, hein? Il a le nez un petit peu rond, mais ça fait rien. La chanson lui convient très bien. Alors, t'es prêt, petit Tom? Oui? Vous allez voir, vous allez vous rappeler du reste des paroles. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es assis? Ah bon? Tu vas pas danser? Ah! Il dit qu'il va taper du pied. Ah oui, parce que dans notre folklore québécois, les musiciens sont souvent assis et ils tapent du pied pour garder le rythme de la musique. OK, correct. On va être bien accompagnés. Alors, vous êtes prêts? On y va. Avez-vous vu, non, j'ai pas vu, le petit bonhomme, le petit bonhomme. Avez-vous vu, non, j'ai pas vu, le petit bonhomme, le pointu. Des onomatopées pour remplacer les instruments de musique qu'on n'a pas toujours sous la main. Par exemple, mon grand-père, quand il n'y avait pas son ruine babine, qu'est-ce qu'il faisait? Il turlutait à la place. Oui, il turlutait des onomatopées.
Vous savez pas ce que c'est qu'une onomatopée? Ah, mais je suis sûre que vous savez ce que c'est. Vous en connaissez plein des onomatopées. Ce sont des sons ou des syllabes qui ne sont pas des vrais mots, des sons. Par exemple, un chien qui jappe, qu'est-ce qu'il fait? Je sais bien qu'il se branle la queue en jappant, mais quel son fait-il? Je voulais savoir. Ah, wouf, wouf, wouf. Ben, wouf, c'est une onomatopée, ça. Le chat, qu'est-ce qu'il fait? Miaou. Ouais. Et pic, 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 pic. C'est le petit poussin ou les petits oiseaux. Ça, c'est pour les animaux. Mais vous savez que les choses aussi, les objets, peuvent faire des onomatopées? Ah oui. Par exemple, admettons que il y a une branche dans un arbre qui casse. Quel son ça fait? Crac! Oui. Et si je vous dis vlam, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une porte qui a claqué au vent. Ça, c'est pour les objets. Et les instruments de musique, c'est la même chose. Les instruments de musique, on peut faire des onomatopées. Par exemple, si je fais boum, 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 boum. Vous avez deviné? Le tambour. Et puis mon grand-père, quand il n'y avait pas son vin-babine, il chantait ses onomatopées. Là, écoutez bien. Il faisait tadidam-dam-dam. Pouvez-vous répéter ça? Tadidam-dam-dam. Oui. Puis là, ensuite, il faisait une longue, longue turlute avec toutes sortes de sons qu'il rajoutait, qui ressemblaient à ça. Et puis même qu'il chantait une chanson à répondre avec ça. Une chanson à répondre, ça veut dire qu'on peut répondre. Oui, alors vous allez voir, même si vous ne l'avez jamais entendu, ça va être facile de répondre. Et puis, je vais prendre cet instrument-là que je vous ai présenté la semaine dernière. Vous vous rappelez? Ouais, vous savez ce que c'est. Mais ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais m'approcher un petit peu. Et puis, pour que vous les voyez de plus près. Alors, ah, avez-vous une idée de ce que c'est? Ah ben, on vous le dira pas tout de suite. On va s'en servir pour faire des percussions, pour accompagner la chanson à répondre. Alors, je vais me donner une petite note avant de partir. OK, vous êtes prêts? Et n'oubliez pas de répondre. Ta-di-dam-dam-dam, ta-di-dam-dam-dam, di-da-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 
Je suis allée chez le boucher, au coin de la rue chez moi. Le boucher qui vend quoi? De la viande. Et je lui ai demandé, un gros morceau de viande avec les côtes. On appelle ça des côtes levées. Alors, j'ai fait ma recette préférée, des côtes levées avec une bonne sauce. Et puis, après le repas, bien sûr, on n'avait pas mangé les os. Ben non, on a mangé toute la viande, on a grugé après les os. Mais là, j'ai ramassé tous les os des assiettes. J'ai mis ça dans un grand chaudron avec beaucoup d'eau. Et puis là, j'ai fait bouillir ça pendant plusieurs heures. C'était long. Il fallait que tous les petits morceaux de viande se détachent. Et puis, après ça, quand il n'y avait plus de viande après les os, ah, là, je les ai pris, je les ai brossés comme il faut, avec de l'eau puis du savon. Puis, je les ai laissés sécher. Ça a pris plusieurs jours. Et puis, après plusieurs jours, ben, quand ils étaient bien secs, je les ai sablés avec un petit papier sablé. Puis là, pourquoi il y a une petite barre rouge ici, puis là, il y en a des bleus? Ah, ben ça, c'est parce que c'est pour distinguer avec quelle main je vais jouer. Alors, ceux qui ont des barres rouges, je les joue avec la main avec laquelle je mange, qui est laquelle? La main droite. Et puis là, est-ce que vous pensez que j'ai été capable de jouer des os tout de suite, même après qu'ils étaient secs et sablés, pensez-vous? Non, j'ai pas été capable, j'arrivais pas à faire rien avec ça, ni même aucun son. Je ne savais même pas comment les tenir. Alors, je suis allée voir des amis qui, eux, jouaient des os. Je les avais déjà vus jouer des os. Alors, j'ai demandé comment on fait pour les tenir. Alors, premièrement, ils m'ont expliqué. Tu vois, ils sont courbés, là. Hein? On voit une courbe comme ça. Alors, il faut les mettre comme ça, dos à dos, pour que les courbes soient comme ça. Alors, il ne faut pas les mettre comme ça. Non. Faut pas les mettre comme ça non plus. Alors, faut mettre les deux parties convexes. C'est comme ça qu'on appelle ça la courbe, comme ça. On les met ensemble. Et puis là, faut les tenir entre les doigts. Voyez-vous? Hein? Je prends mes doigts, je les ouvre. Et puis là, je mets le troisième doigt, qui s'appelle comment? Le majeur. Je le mets entre les deux autres. Et puis là, il y en a un, là, avec mon majeur, là. Je vais peser ici sur le côté pour qu'il soit bien appuyé dans la paume de ma main. Il ne faut pas qu'il bouge, cet os-là. Et puis l'autre, je vais le tenir juste avec le doigt pour qu'il soit lousse. Et puis quand je bouge ma main, celui qui est lousse va venir frapper contre celui qui est fixe. Et puis là, vous voyez, il ne faut pas que je bouge mon bras comme ça. Non, c'est juste le poignet qui bouge. Et puis là, plus je bouge vite, plus je peux faire des rythmes rapides. Et puis là, quand je sais bien faire des rythmes avec une main, eh bien là, je peux prendre l'autre main, puis je peux jouer à deux mains. Et puis, je peux faire toutes sortes de rythmes. Écoutez bien. Ce sont des heures de plaisir, des heures de pratique aussi, parce que c'est assez difficile de jouer des os. Oui, c'est difficile. La semaine prochaine, je vais vous montrer à jouer un autre instrument de percussion qui est beaucoup plus facile à jouer. Ah, celui-là, tout le monde en a un à la maison. Oui, dans la cuisine, dans le tiroir de cuisine, qu'est-ce qu'on trouve? Des cuillères! Oui! Alors, je vais vous demander, pour la semaine prochaine, de vous trouver, d'aller dans le tiroir de cuisine et de vous trouver des cuillères. Alors, voyez-vous, des cuillères à soupe, elles peuvent être longues, mais elles peuvent être rondes aussi. Et, ou des petites cuillères pour manger le dessert ou les céréales, ça marche aussi. Pourvu que les deux cuillères soient de la même grosseur. Alors, la semaine prochaine, vous apporterez vos cuillères. Et puis, on va jouer de la cuillère. Et non seulement on va jouer de la cuillère, mais on va turluter aussi. Oui, oui, en même temps. En attendant, j'ai un autre instrument de musique à vous présenter. Oui, je vais vous faire deviner son nom.
C'est une boîte rectangulaire. Il y a des boutons de chaque côté. Ça s'ouvre et ça se referme. Oh, vous savez, mais vous savez c'est quoi, mais vous savez pas c'est quoi le nom. C'est c'est un harmonie. Non, c'est pas ça. Je vais vous le montrer. L'accordéon. Oui, voici l'accordéon. Ah, voyez, mon accordéon a des boutons de chaque côté. Il y a d'autres accordéons, peut-être vous en avez déjà vu. C'est des notes de piano d'un côté. Et ceux-là, on les appelle accordéon piano. Mais lui qui a des boutons, on l'appelle accordéon à boutons. Et pour jouer l'accordéon, il faut bien sûr peser sur les boutons. Mais comment ça se fait que je pèse sur les boutons, puis qu'il n'y a rien qui se passe, ni même de ce côté-là? Ah, il faut que je l'ouvre. Ah, ben, et vous pensez que quand je vais l'ouvrir, ça va faire de la musique? Ouais, écoutez bien, je vais l'ouvrir. Oh, qu'est-ce qu'on entend? Le vent! Ça respire! Oh! De l'air qui entre et qui ressort. Et comment j'ai fait? Écoutez, il y a un petit bouton ici sur le côté là, qui laisse entrer l'air. Parce que si j'essaie de l'ouvrir comme ça, là, il n'y a rien qui se passe. L'air ne rentre pas. Ça serait comme si vous essayiez de respirer avec le nez bouché et la bouche fermée. Essayez ça, voir. Est-ce qu'il y a de l'air qui entre? Absolument pas. Pour qu'il y ait de l'air qui rentre, ça prend des trous. Le trou du nez ou le trou de la bouche. Alors ici, on pèse comme ça. Et puis là, ah, là, je peux ouvrir. Ah, là, maintenant, il est rempli d'air. Je pèse sur les boutons. Mais il n'y a rien qui se passe. Comment ça se fait? Oh, il faut que je le referme. Mais oui, il faut que je laisse passer l'air. C'est comme ça qu'il va faire des sons. Et si j'ouvre et je pèse sur le même bouton, ça fait d'autres notes. Et voilà! Les notes, c'est-à-dire les touches ici, là, à droite, ça sert à jouer les notes de la gamme. Est-ce que vous vous rappelez des notes? Vous rappelez-vous ce que mon grand-père chantait, lui? Il chantait « Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ôte-moi la puce que j'ai dans le dos. » Ça, c'est parce que mon grand-père, il ne savait pas le nom des notes. Mais ça ne l'empêchait pas de jouer de l'accordéon, par exemple. Du ruine babine, je voulais dire. Mais vous autres, vous les savez, les notes, hein? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il faut les dire à l'envers. Ça, c'est plus difficile. Oh, vous êtes bon, vous vous en rappeliez. Alors, les boutons de ce côté-là, eux autres, ils servent à faire des accords ou à garder le rythme. Ouais. Alors, j'ai une petite chanson que je vais vous jouer à l'accordéon et je vais vous laisser deviner qu'est-ce que c'est le nom de cette chanson. Écoutez bien. L'avez-vous reconnu? Oh, la chanson de l'alphabet. Ah oui, c'est vrai qu'on peut chanter l'alphabet sur cette chanson-là. Je vais voir si je m'en rappelle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, E, V, W, X, Y, et Z. Je connais mon alphabet, j'aimerais un beau verre de lait au chocolat. S'il vous plaît. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça finit. Ah, oh, oui, vous chantez.
Je connais mon alphabet. Chante avec moi, s'il te plaît. Vous savez, il y a beaucoup de façons différentes de chanter cette mélodie-là. J'en connais plusieurs. Ou j'en connais une que vous connaissez peut-être. Les trois poules. Les trois poules qui vont au champ. Oh, c'est une petite chanson qui est un petit peu mélangeante des fois. J'espère que je ne me tromperai pas. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. La deuxième suit la première. La troisième va derrière. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. Oh, est-ce que je l'ai eu? C'est mélangeant. La première va devant, la troisième va derrière, la deuxième suit la première. Des fois, je suis toute mêlée. Oh, puis je connais une autre chanson aussi, en anglais, sur cette même mélodie. Et Dun et Jonah, mes petits-fils, vous la connaissez aussi? Oui? Est-ce que vous avez commencé à la chanter à votre petit frère Mélune, qui est tout petit? Ah ben oui, parce que c'est une berceuse, ça. C'est un petit poème qui est une berceuse. Qui parle de la petite étoile qui brille au ciel. Twinkle, twinkle, little star. Ça va nous faire pratiquer notre anglais. How I wonder what you are. Je me demande ce que tu es, petite étoile qui brille. Up above the world so high. Au-dessus du monde tellement haute. Like a diamond in the sky. Comme un diamant dans le ciel. Oh, c'est tellement beau cette chanson-là. Alors, je vais la chanter. Et puis Aiden puis Jonah, vous m'aidez. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Et puis moi, quand j'étais petite, on chantait un petit poème sur cette chanson-là. Oh oui, c'est quoi ça un poème? Ah, un poème, c'est en fait, dans un poème, on a ce qu'on appelle des rimes. C'est des phrases qui riment. C'est quoi ça une rime? Ben, une rime, c'est deux mots qui finissent avec le même son. Écoutez bien, je pense que vous allez entendre les rimes dans cette chanson-là. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa dit que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que les leçons. Ah oui, qu'est-ce qui rimait avec bonbon? Leçon. Oui, et vous savez quoi? Vous pouvez mettre vos propres paroles sur cette mélodie-là. Oui, vous pouvez faire vos propres petits poèmes. Voilà, tiens, je vais essayer ça avec mamie. Oui, qu'est-ce qui rime avec mamie? Oh, 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 j'entends ce que vous pensez. Pipi, vous dites? Oh, pipi au lit? Oh, c'est deux très bonnes rimes avec mamie, c'est certain, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Oh, non, non, j'ai une autre rime avec mamie. Spaghetti. Ah oui, parce que j'adore le spaghetti. Alors, ça pourrait donner ceci. Bonjour, je m'appelle mamie et j'adore le spaghetti. Je le mange à la cuillère. Qu'est-ce qui rimerait avec cuillère? Oh, j'ai une bonne idée. Et j'en échappe par terre. Ça fait tout un dégât. Ça fait un joli dégât. Qui le ramasse, c'est moi. C'est amusant, non? Ah oui, j'ai toutes sortes d'idées. Par exemple, Théo, je ne sais pas si Théo est là, mais une bonne rime avec Théo, ça pourrait être chapeau. Bonjour, je m'appelle Théo. Et j'ai un nouveau chapeau.
avec Jonah. Bonjour, je m'appelle Jonah et j'adore les ananas. Non? T'aimes pas vraiment ça, les ananas? Oh, t'aimes mieux les pommes? Ok, ben à ce moment-là, tu pourrais chanter. Je suis un beau petit bonhomme et j'aime beaucoup les pommes. Oh, puis j'ai une bonne rime pour Aiden. Bonjour, je m'appelle Aiden. Je suis parfois dans la lune. Hey, écrivez-moi, envoyez-moi des paroles que vous allez mettre avec vos noms. Demandez à papa puis à maman qui vous aident, puis envoyez-moi ça. J'ai tellement hâte de vous lire. Ah, puis vous savez, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Oui, parce que c'est déjà le temps de se dire au revoir. Quoi? Ah, non, oh, la guitare. J'ai pas joué de guitare aujourd'hui. Non, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de jouer de guitare. Mais la semaine prochaine, je vais jouer de la guitare, c'est promis. Puis, non seulement ça, mais on va jouer quoi? De la cuillère. Et puis, on va turluter aussi. Et puis quoi? Oh, vous voulez savoir? Est-ce que le petit bonhomme va revenir la semaine prochaine? C'est sûr qu'il va revenir la semaine prochaine. Oh, vous aimeriez ça qu'il revienne tout de suite maintenant, avant qu'on se quitte? Ouais, mais je vous l'ai dit la semaine passée, c'est pas moi qui décide. C'est lui qui décide, je sais jamais, il veut toujours jouer à la cachette. Ben, peut-être qu'on peut essayer de l'appeler, par exemple. Hein? Il était disparu par là, hein, je pense. OK, on va essayer de l'appeler. Tom! Absolument rien. Tom Little! Rien, rien du tout. Petit Tom Little! Oh, j'ai une bonne idée. Je vais essayer de lui turluter son nom pour voir. Vous vous rappelez? Ça va être... Tom Little, Tom Little, Tom Little, Tom, Tom, Tom Little, Tom. Oh, j'ai entendu quelque chose. Oh, quoi? Il dit qu'il va revenir, mais à une condition. OK. Non, mais je ne sais pas, il est où, là? J'entends parler, mais c'est... OK, mais à quelle condition, Tom? Oh, à la condition qu'il ait une surprise. OK, viens-t'en, je vais avoir une surprise pour toi. Quoi? Ben non, par exemple, il dit qu'il veut savoir c'est quoi la surprise. Ben non, Tom, si je te le dis, ça ne sera plus une surprise. Allez, viens, c'est promis que tu vas avoir une surprise. Dépêche-toi, parce que là, les amis vont s'en aller bientôt. Oh oui, tu voudrais que je te mette la musique? OK, attends un petit peu, là, je vais te mettre de la musique. OK. Et puis, non seulement ça, mais je vais installer quelque chose pour toi. Ah, je vais installer comme ça, avec la planche, pour que les amis puissent te voir comme il faut. Quoi? Oh, vous dites que vous ne me voyez plus la figure, c'est pas grave. C'est important de voir les pieds du bonhomme. Allez, viens-t'en, Tom. Dépêche-toi. Oh ben ça, par exemple. Il était parti par là, mais là, je le vois arriver. Il arrive par là. Allez, viens-t'en. Oh, le voici. Oh, allez donc. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux plus giguer? Oh, il veut sa surprise. OK, mais ferme tes yeux. Oh, t'es pas capable de fermer tes yeux? Bon, OK, mais assieds-toi de côté. Ne regarde pas, là. Ta surprise va venir. Ne regarde pas? OK, la surprise s'en vient. Oh, si tu peux regarder maintenant. Oh, c'est ta cousine, Anita! Oui, elle aime ça danser, elle aussi! Oh! OK, regarde bien comment Anita danse bien! Oh, des beaux petits pas! OK, toi aussi, tu veux faire ton petit numéro. Vas-y, je vais l'impressionner. Oh,
tourne le bras. Oh, oh là, tu ne l'es pas. Allez, dansez encore. Alors, au revoir, les amis. À la semaine prochaine. Je vous attends. Gros bisous. Bye bye.